Dans ce module d'entraînement, vous pourrez passer en revue la façon d'opérer cette locomotive classe 66. Vous passerez en revue les commandes essentielles à la conduite et au transport des marchandises. Pour commencer, montez à bord. Vous devez d'abord insérer l'inverseur afin de pouvoir faire avancer la locomotive dans la direction voulue. Allumez les phares pour indiquer aux autres que ce train est opérationnel. Le frein direct a trois positions, serrage, maintien et desserrage. Elles affectent directement la pression du cylindre de frein, indiqué à gauche de votre tableau de bord ou sur votre HUD sous l'indication BC. En position serrage, le cylindre de frein ou la jauge BC se remplit. Les freins sont donc de plus en plus serrés. Déplacez la manette en position maintien pour conserver le même niveau de freinage et remettez-la en position desserrage pour la réduire ou desserrer totalement les freins. Le frein direct est utilisé pour serrer uniquement les freins de votre locomotive. Ils sont plus rapides à serrer et à desserrer que les freins principaux. Si vous ne conduisez qu'une locomotive légère, comme en ce moment, il est généralement plus rapide de se contenter de ces freins. Maintenant que la jauge de conduite générale est à 5 bars, les freins seront complètement desserrés. Gardez un œil sur la jauge de BC ou de cylindre de frein pour la voir progressivement descendre à zéro, ce qui signifie que les freins sont désormais complètement desserrés et que vous pouvez faire avancer le train. Remarquez la barre d'AMP montée lorsque vous appliquez de la traction. Cela représente la puissance envoyée au moteur de traction. Essayez d'éviter que cette barre passe au rouge, indiquant une surcharge de puissance des moteurs qui pourrait les endommager. Avancer en roue libre est une méthode efficace qui permet de se déplacer à une vitesse constante, tout en réduisant la tension du moteur et les besoins de maintenance. Construite par EMD au Canada dans l'Ontario, à London, la British Rail Class 66 est une locomotive diesel électrique à 6 essieux, principalement utilisée pour le transport des marchandises au Royaume-Uni. Mise sur le marché en 1998, la commande initiale de 250 locomotives était considérée comme étant la commande la plus importante pour une locomotive depuis l'époque des trains à vapeur. Plus de 500 locomotives classe 66 ont été construites, la dernière ayant été livrée en 2016. La classe 66 était surnommée Shed, hangar, en raison de son toit incliné semblable à celui d'un hangar.
Bien. Arrêtez-vous grâce au frein direct. Les wagons de fret sont derrière nous. Changez de direction avec l'inverseur, puis changez la jonction indiquée, soit en marchant dans sa direction, soit grâce à la carte. L'aiguillage est correctement aligné et vous pouvez désormais vous atteler aux frettes. Approchez-vous lentement et arrêtez-vous juste avant les heurtoirs. N'oubliez pas de desserrer le frein direct avant d'appliquer la traction.
vous pouvez atteler et dételer depuis une caméra extérieure ou à pied. Connectons la formation à l'aide de la caméra extérieure. Accédez à la caméra extérieure. Maintenant, attelez la locomotive au wagon de fret. Revenez à la vue à la première personne. Beau travail! Rechangeons la direction à l'aide de l'inverseur et déplaçons le train vers la voie de service indiquée. Vous pouvez atteler et dételer depuis une caméra extérieure ou à pied. Dételons les wagons à pied pour cette fois. C'est tout pour ce module d'entraînement. Thank you.